Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez tous et toutes les bienvenus, frères et sœurs. L'année liturgique s'achève avec la vision grandiose du Christ, roi de l'univers. Mais ce Christ n'est pas uniquement un roi comme les rois humains et terrestres. Il apparaît aujourd'hui pauvre, dépouillé, démuni devant Pilate avant d'être rejeté et crucifié. Entrons dans ce paradoxe de notre religion où Dieu se fait le rejeté, l'exclu et le démuni. Demandons au Seigneur de purifier notre cœur afin qu'il puisse régner. Bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
allons commencer par écouter un extrait du livre de Daniel. Au IIIe siècle, au temps des persécutions, l'auteur essaye de redonner courage aux croyants qui sont persécutés. Il annonce la venue d'un mystérieux fils d'homme qui viendra rétablir la paix. Et Jésus, plus tard, reprendra cette expression en la modifiant un peu. Il se désigne comme fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il viendra sauver l'humanité entière. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. L'auteur du psaume veut également exprimer la royauté de Dieu, et pour cela il s'inspire d'une cérémonie du sacre d'un roi à l'époque. Mais Dieu est plus qu'un roi, sa royauté se reconnaît partout dans son temple et dans tout l'univers, de tous les temps. Chantons sa louange. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né.
et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Je ne sais pas, frères et sœurs, si vous vous rappelez les visions de rois et de reines, de nos livres, de contes de fées dans notre enfance. En général, le roi, dans ses livres ou dans les films de Walt Disney, porte une couronne et un sceptre à la main. Il porte une longue traîne rouge avec une hermine blanche sur les bords. Et il est assis sur un trône, on l'a bien placé sur une grande plateforme, en haut de plusieurs marches. Ceux qui s'approchent de lui le font avec beaucoup de respect.
mais pas un roi qui est un méchant tyran, ou qui se distingue par ses vêtements, ou tout le faste qui entoure un souverain de ce monde. C'est un roi qui fait la vérité, qui dit la vérité, car il sait vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Et il le dit lui-même, « Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » C'est une drôle de réponse qu'il fait, et elle est un peu difficile même. Si vraiment nous sommes vrais et sincères, frères et sœurs, si nous disons que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des disciples du Christ, nous devons laisser sa parole résonner dans notre cœur, et non pas seulement l'entendre d'une manière distraite. Nous ne sommes pas dans la vérité si notre foi se limite à être baptisé, et que nous ne prions jamais, que nous ne venons jamais à l'église, le dimanche, ni à Pâques, ni à Noël. Nous ne sommes pas dans la vérité si nous nous disputons continuellement avec les autres, si nous ne savons pas demander pardon, si nous n'écoutons plus les autres et pensons ou croyons que nous avons toujours raison et que les autres ont forcément toujours tort. Nous ne sommes pas dans la vérité si nous sommes malhonnêtes au travail, que nous volons, fraudons, mentons. Nous ne sommes pas dans la vérité si nous pouvons vivre 20, 30 ans ou même plus en dehors des liens du mariage, ou que nous changeons de partenaire quand nous en avons assez de celui ou de celle qui a partagé depuis si longtemps notre existence et qui a tout sacrifié pour nous, et que nous laissons alors tomber comme une vieille chemise pour courir après quelqu'un d'autre qui a le seul mérite d'être plus jeune, plus riche et plus beau. Nous ne sommes pas dans la vérité quand nous disons du mal de nos voisins, quand nous passons des heures au téléphone à apporter des cancans ou des médisances. Si nous sommes vraiment disciples du Christ, nous devons aussi être vrais dans notre façon de vivre, de penser, de parler. Tout notre comportement doit trouver sa source dans l'enseignement du Christ, qui, s'il est apparu faux, pauvre et faible devant Pilate, sera un jour dans la pleine gloire, comme nous l'avons entendu dans les deux autres lectures de la messe de ce jour. Alors tu es roi. Ce n'est pas uniquement la question de Pilate, c'est aussi la question de notre monde, qui croit être indépendant et proclame insolemment qu'il n'y a ni Dieu ni maître, et croit ainsi qu'il peut tout faire. C'est aussi notre question quand, assis sur le trône de notre suffisance, nous pensons diriger nous-mêmes notre vie sans Dieu, sans laisser notre conscience parler, sans l'aide et les secours de la religion. Tu veux donc reconnaître le Christ comme ton roi? Descends d'abord du trône de ta suffisance et de ta vie facile. Reconnais tes péchés, tes idées toutes faites et tes préjugés si tenaces envers autrui. Tu dis être le disciple de ce roi. Commence par servir ceux qui sont autour de toi, surtout les plus petits et ceux qui souffrent le plus. Descends de ton trône de Pilate. Humilie-toi par la prière et le service. Fais-toi connaître des autres par ta bonté et ta douceur. En parlant de toi, on ne puisse pas dire que tu es dur et égoïste, avide de pouvoir, d'influence et d'argent, prêt à écraser les autres pour te faire une place au soleil. Que l'on puisse au contraire entendre dire du bien de toi et de tout ce que tu as fait de bien pour les autres. Alors, purifié de tes mauvais penchants, consacré par lui, prêtre, prophète et roi par ton baptême, ton roi, le seul roi, pourra vraiment régner sur toi. Et assis sur le trône de ton cœur, il aura
aura les pleins pouvoirs sur ton âme. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue dans le monde, qu'elle proclame ta royauté en se faisant servante de tous les hommes et de toutes les femmes. Ô Christ, roi du monde, nous te prions. Christ notre roi,
paroisse fêtait son anniversaire. Alors je lui ai écrit un gentil mot et je lui ai dit que je célébrerai la messe ici ce soir à son intention. Vous pouvez vous unir à ma prière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, nous accueillons. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit, et le fond de notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de d'amour et de paix. C'est pourquoi
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Lambert et tous les saints.
cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, ton serviteur Charles et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix. Donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de mon Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez un signe. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions faire.